Alors, mon intervention aujourd'hui, elle porte pas tant sur mes travaux de recherche que sur une réflexion militante. Et notamment, plusieurs éléments que je vais développer ici, c'est des choses qui ont été développées dans un article que j'ai coécrit avec Christiane Bailey en fin 2016. Donc, un article qui s'appelle Féminisme et cause animale, il me semble, et qui est paru dans la revue Ballast. Donc je vais tout simplement partir d'un constat, c'est que la métaphore populaire la plus utilisée et la plus puissante pour exprimer un état de sujétion, c'est celle qui évoque le fait d'être traité comme du bétail, comme un morceau de viande, c'est-à-dire comme un animal soumis au rapport d'élevage. L'animalité, c'est la référence de la situation d'assujettissement. Et animaliser un individu, c'est réduire sa valeur. Le mépriser, le discréditer ou encore le rabaisser socialement. En fait, les animaux sont d'ailleurs actuellement. Enfin, pourquoi il y a cette référence à l'animalisation pour rabaisser les individus? Eh bien, c'est parce qu'actuellement, dans nos sociétés, les animaux sont exclus de la communauté des ayants droit et ils sont davantage considérés comme des marchandises, comme on vient de voir. Ou des ressources que comme des individus dont les intérêts méritent d'être pris en considération. Et en fait, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que face à cette menace sociale que constitue l'animalisation, on peut distinguer deux attitudes possibles. Premièrement, un réflexe que j'appelle humaniste, qui cherche à se distancier à tout prix vis-à-vis des animaux. Ou deuxièmement, une remise en question de la logique même qui sous-tend l'animalisation. Donc c'est sûrement pas très clair pour l'instant, mais justement ça va être l'objet de ma présentation, d'expliciter ce que j'entends par réflexe humaniste et par remise en question de l'animalisation. Donc la première réaction, ça va être de tenter d'échapper à la menace en cherchant à tout prix à se distinguer des animaux. Et c'est la réaction de défense la plus courante et qui paraît logique. Dans la mesure où, si je ne veux pas être traité comme du bétail, je vais affirmer que je n'ai rien à voir avec les animaux et je vais en quelque sorte brandir mon passeport d'humain ou d'humaine pour être identifié par la communauté comme un individu qui compte moralement. Pour illustrer ce réflexe humaniste, je vais vous montrer quelques exemples qui sont tirés du langage militant et vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond. Nous ne sommes pas des animaux, on n'est pas du bétail. Traiter les gens comme des individus et des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Ils sont humains. À nouveau, nous ne sommes pas des animaux. On n'est pas du bétail. Au nom de l'humanité, nous refusons le fascisme. Nous ne sommes pas des animaux, à nouveau. Les femmes ne sont pas des morceaux de viande. Nous sommes des humains, pas des animaux. Encore une fois, c'est la formule qui revient le plus souvent. Et toujours dans le même ordre d'idées, mais cette fois dans des articles de presse, on retrouve des formules telles que relire Marcuse pour ne pas vivre comme des porcs. Donc, vous l'aurez compris, enfin, vous avez compris un peu le schéma qui revient, et j'aurais pu continuer comme ça parce que des exemples, il y en a des tonnes. C'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les discours des luttes sociales. Donc c'est ce que j'appelle la rhétorique humaniste, à savoir un rejet de l'animalisation couplé à une revendication d'humanité. Et en fait, l'objectif, c'est de se distinguer radicalement des animaux pour mieux faire valoir sa dignité humaine. Et on va revenir dans quelques instants sur cette notion de dignité humaine. Et je tiens à souligner que cette réaction est tout à fait compréhensible, puisque dans un contexte où l'animalisation, elle a historiquement servi et elle continue à servir à rabaisser, exploiter des groupes humains, on a ce réflexe de distanciation. Et je souligne ça parce que je m'attaque pas aux personnes ou aux luttes qui utilisent cette rhétorique humaniste. Je suis pas en train de supposer que ces luttes, elles sont illégitimes, au contraire. Mais ma critique, elle consiste plutôt à aller voir quelles sont les logiques internes qui motivent l'utilisation de cette rhétorique humaniste et en quoi ça révèle une conception extrêmement problématique de notre rapport aux autres animaux. En fait, ce que je vais défendre, c'est que la rhétorique humaniste, elle est ni juste,
ni même efficace d'un point de vue stratégique pour échapper à l'animalisation. Donc, premièrement, pourquoi la rhétorique humaniste est-elle injuste ? Eh bien, tout simplement parce que la situation d'élevage, elle est évoquée avec indignation, mais uniquement quand il s'agit d'êtres humains. Un peu comme si l'enjeu consistait à donner la preuve de sa non-appartenance à la catégorie des individus qu'il est légitime par ailleurs d'exploiter. Ici, les animaux. Je vais utiliser un exemple en analogie pour que vous puissiez bien saisir à quel point les slogans qu'on vient de voir posent un problème assez profond. Donc Christine Delphi, c'est une féministe matérialiste française, et elle avait elle-même repéré ce type de rhétorique, mais appliquée aux femmes. Dans un article de 1991, elle écrit « L'un des héros du film Exodus, forcé de révéler la pire indignité que les nazis lui ont fait subir, s'écroule en sanglotant. Ils m'ont traité comme une femme. » Eh bien, en fait, nous faisons la même chose avec les animaux. Nous décrétons dans un même souffle que ce qui est injuste pour nous, l'animalisation, est légitime pour eux. Et il s'agit d'un raisonnement parfaitement arbitraire. En souhaitant nous distinguer des animaux, on révèle en fait de façon implicite que le sort que nous leur réservons en tant que société est peu enviable, pour ne pas dire hyper violent, et à l'origine de souffrances considérables. Et si la comparaison avec les animaux, elle est si choquante, c'est parce que ce sont les animaux qui sont en premier lieu dévalorisés. Et en fait, finalement, c'est parce que les animaux sont traités comme des animaux et considérés comme des moins que rien que nous répugnons autant à être associés à eux. Et donc, ce qui se joue dans la rhétorique humaniste, c'est que d'un côté, on se rend bien compte que l'animalisation est utilisée comme une arme politique pour rabaisser les individus, mais de l'autre, encore une fois, on ne remet pas du tout en question cette domination dans son ensemble. Au contraire même, elle est reprise à notre compte, tout en se désolidarisant des victimes, les animaux. Donc on est dans une situation où ce qui est injuste pour les humains reste inquestionné ou naturalisé dans le cas des animaux. Et cette différence arbitraire de considération, elle se légitime selon un principe naturaliste, celui qui postule l'existence d'une essence spécifique à l'humanité, souvent appelée la dignité humaine. Il y aurait quelque chose, une sorte d'essence, donc, que les humains posséderaient, contrairement aux autres animaux, et qui permettrait de légitimer une supériorité, ou en tout cas une immunité face au traitement d'exploitation. Un peu comme l'âme, la dignité, c'est un concept plutôt fumeux, finalement, puisque personne ne sait vraiment ce que c'est, mais on continue à l'utiliser parce que l'important, c'est pas tant de pouvoir en donner une définition convaincante que de pouvoir s'en servir pour remplir une fonction de distinction, et en l'occurrence, une distinction d'espèce, avec d'un côté les humains, en haut, plutôt, supérieur, et de l'autre, tous les autres animaux. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a de dignité humaine qu'en tant qu'elle permet de nous distinguer des animaux, des non-humains, des sous-humains, des moins qu'humains. Et en fait, toutes celles et ceux qui s'éloignent du modèle dominant. Parler de dignité, c'est tout simplement se référer à un statut privilégié dans les rapports de pouvoir spécistes. Et pourtant, pour revenir à la dimension injuste et arbitraire de l'humanisme, cette distinction morale entre humains et animaux, elle n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas en vertu de notre humanité ou de ce que nous appelons dignité humaine que nous avons de la valeur. C'est si nous méritons des droits, c'est tout simplement parce que nous sommes des individus pouvant être affectés en bien ou en mal par ce qui nous arrive, exactement en fait comme les animaux concernés par les slogans montrés précédemment, comme le bétail, comme les animaux qui sont aujourd'hui concrètement considérés comme des morceaux de viande. Donc on voit qu'en se prétendant universel, nous sommes tous humains, tout en se fondant sur ce type de rhétorique humaniste, il y a une grande partie des mouvements progressistes actuels qui se fondent en fait sur l'exclusion. Et c'est une exclusion qui est à peine consciente, qui est le produit d'un ordre, une vision anthropocentrée qui ne s'appréhende pas du tout comme telle, mais où pourtant les humains s'accaparent de façon arbitraire le statut de personnes bénéficiaires de droits.
Donc, on vient de voir que c'était injuste, mais encore plus intéressant peut-être, en tout cas quelque chose qui peut nous servir pour, enfin, pour échanger avec ces gens qui utilisent la rhétorique humaniste, c'est que cette rhétorique humaniste, elle est inefficace, voire contre-productive. Il semblerait en effet que l'idéologie humaniste, il semblerait qu'elle entretienne ce que des chercheurs en psychologie ont appelé la logique de la domination. L'idée, elle est simple et elle est déjà exploitée en partie par les activistes impliqués dans les luttes sociales. C'est l'idée que les différents systèmes d'exploitation se soutiennent et se renforcent l'un l'autre, et ce, notamment puisqu'ils se fondent sur les mêmes schémas de pensée naturalistes. Qu'est-ce qu'un schéma de pensée naturaliste? C'est un ensemble d'idées et de représentations qui désignent les dominés comme étant des individus naturellement faits pour telle ou telle chose, ces choses étant en fait le rôle social auquel ils ont été assignés par la contrainte. Donc Colette Guillaumin, qui est une autre féministe française, elle a beaucoup travaillé sur cette idée de nature. Et elle donne des exemples assez explicites de propos naturalistes, notamment dans son ouvrage L'idéologie raciste. Et elle donne des exemples à propos des femmes ou des personnes racisées. Elle dit, je cite, C'est la nature des femmes que de nettoyer la merde. Les femmes sont des femmes, c'est un fait naturel. Les femmes nettoient la merde parce que leur nature les y invite. Et d'ailleurs, en fonction de cette spécialisation d'origine génétique, ça ne les dégoûte pas. Elle, ce qui est bien une preuve que c'est chez elle naturel. De même, c'est la nature des nègres que de ne pas travailler. Les nègres sont noirs, c'est un fait naturel. Les nègres sont chômeurs, c'est que leur nature les y porte. Et d'ailleurs, ils sont paresseux, eux, et ne veulent rien foutre, ce qui montre bien que c'est pour eux naturel que le chômage, etc., etc., etc. En fait, l'idéologie naturaliste, elle se décline dans plein de variantes plus ou moins assumées. Elles ne sont pas toujours aussi explicites, mais elle garde toujours ce masque de l'évidence et du bon sens. Donc cette critique du naturalisme, elle est déjà répandue dans les milieux militants, dans les milieux féministes et antiracistes, mais ce qui est moins admis, c'est que le spécisme et l'idéologie spéciste occupent une place importante dans les discours naturalistes. L'idée que les animaux sont naturellement inférieurs, ont une place et un rôle spécifique, et qu'ils ont une place spécifique dans l'ordre du monde, par exemple qu'ils sont faits pour être utilisés et mangés, relèvent en fait de la même conception hiérarchisée du monde qui soutient que les femmes sont faites pour rester à la maison, ou comme on l'a vu, que les nègres sont des chômeurs par essence, etc. En fait, dans les trois cas, il s'agit d'un même type de rapport au monde. Celui qui perçoit les individus comme ayant une place naturelle au sein de la société et qui considère que les hiérarchies sont fondées par une soi-disant nature. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet et qui ont confirmé qu'il existait des liens étroits entre l'idéologie raciste, sexiste et spéciste, et notamment avec les valeurs conservatrices, hiérarchiques et autoritaires. Pour donner quelques exemples rapidement, en 2005 et 2007, deux études menées par Taylor et Signal ont montré que les individus faisant preuve de peu d'empathie envers les autres êtres humains avaient davantage tendance à souscrire à des principes humanistes, spécistes, tels que les animaux sont là pour nous servir, ou l'utilisation des animaux dans le cirque ou dans la corrida n'est pas une pratique cruelle. Une étude de Costello et Hodson en 2009 a montré que plus les individus adhèrent au principe humaniste d'une différence de nature entre les animaux et les humains, plus ils avaient tendance à déshumaniser des groupes humains marginalisés, et notamment les immigrants. Et inversement, les individus qui souscrivent moins à l'idée d'une dichotomie radicale entre animaux et humains faisaient preuve de plus d'empathie envers ces mêmes groupes marginalisés. Toujours avec Costello et Hodson, mais cette fois en 2014, il a été montré que plus les individus souscrivent à l'idée d'une différence de nature et d'une supériorité des humains sur les animaux, plus il leur est facile de déshumaniser les groupes humains racisés, notamment en les associant à des animaux. Il y a également eu des études sur les régimes alimentaires et l'adhésion aux principes autoritaires, hiérarchiques,
ce genre de choses. Donc en 2015, dans le British Food Journal, il y a eu une étude qui a montré qu'il y avait une corrélation entre le fait de renoncer à manger les animaux et le fait de rejeter les conceptions hiérarchiques et les préjugés envers les minorités humaines. Donc il y a eu tout un... J'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails de ces études, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir l'excellent article de Phonalytics qui donne un généreux aperçu de toutes les études qui ont été faites sur la question. Ce qu'il faut en retenir, je pense, c'est que tant que perdurera le discours opposant humanité et animalité pour incarner et actualiser la logique de la domination, les autres systèmes trouveront des ressources, à la fois matérielles et idéales, pour perdurer et rester opérants socialement. Donc ce n'est pas en essayant désespérément d'humaniser les groupes humains marginalisés que nous aurons des chances de combattre effectivement les systèmes de domination. Et il faut plutôt s'interroger sur les fondements mêmes de cette dichotomie pour se donner les chances de la désamorcer à la racine. Donc j'en arrive à la dernière partie de ma présentation, à savoir quelle réponse apporter face à un humanisme qui est à la fois arbitraire et contre-productif. Eh bien, une voie qu'on aurait tout intérêt à explorer, il me semble, c'est celle de la critique de l'animalisation dans son ensemble et pas uniquement quand elle concerne les minorités humaines. C'est la voie qui est prise par les partisans de l'antispécisme qui travaillent à l'inclusion des animaux dans notre champ de considération éthique et politique. Les antispécistes, plutôt que de chercher à se distinguer à tout prix des animaux, ils vont prendre au sérieux ce que ça implique d'être pris pour d'être considéré et traité comme de la viande, d'être perçu socialement comme un animal, et ils s'attaquent donc frontalement à la distinction humanité-animalité. Et c'est dans la même logique que les études que je viens de montrer, les antispécistes montrent et défendent l'idée que cette distinction, c'est un outil qui permet et qui organise le mépris de tout un tas d'individus. Donc cette inclusion, elle passe notamment par la remise en question de ce monopole de l'universel qui est défendu par l'humanisme, un monopole qu'on retrouve dans les formules telles que « nous sommes tous humains ». Face à ce monopole qui est illégitime, les antispécistes vont plutôt montrer que non, nous ne sommes pas tous humains, et que oui, actuellement, des individus sont traités comme du bétail, c'est-à-dire sont du bétail. Et que on parle de milliers de milliards d'individus chaque année, et que les animaux sont animalisés, c'est-à-dire élevés, pêchés, tués comme s'ils n'étaient rien. Et ce qu'il faut voir, donc, enfin, c'est ce que toutes les images que je vous ai montrées au début témoignent, c'est que la gauche, elle ne s'est pas encore emparée de la question du spécisme et de l'exploitation des animaux, mais que pourtant, le fait que cette rhétorique humaniste soit inefficace et illégitime, arbitraire, ça va dans le sens de l'idée que la critique du spécisme devrait figurer à l'agenda de toutes les forces progressistes, au même titre que la lutte contre toutes les dominations intra-humaines. Et je vais à nouveau citer Christine Delphi, parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est que, dans le même article que tout à l'heure, elle dit « Il me semble qu'un projet féministe qui ne questionne pas toutes les formes de suggestion, y compris celles qui semblent naturelles, puisqu'après tout, nous sommes bien placés pour savoir que la nôtre aussi était et est encore considéré comme naturel, deviendra un projet corporatiste et ne méritera plus le terme de projet de libération. » Eh bien, de la même façon, il m'apparaît clairement que tant que les mouvements sociaux utiliseront la rhétorique humano-spéciste pour fonder leur lutte, et tant qu'ils seront frileux à l'idée d'intégrer dans leurs principes l'existence d'un système d'oppression spécifique aux animaux, le spécisme, aucun d'entre eux ne méritera non plus le terme de projet de libération. Et ces mouvements, qu'ils soient féministes, antiracistes ou autres, ne pourront faire l'économie d'une remise en question du spécisme s'ils veulent donner une crédibilité et même une chance à leur lutte contre toutes les formes d'exploitation.